épouse. Saluons tous ceux qui nous suivent en direct. Et je salue aussi ceux qui nous viennent de nous rejoindre. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 32. Nous allons commencer à lire à partir du verset 25. La parole de Dieu dit: Jacob resta seul, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. 27. Il dit: Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit: Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. 28. Il lui demanda: Quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il ajouta: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Là ici, nous avons une partie de l'histoire de la vie de Jacob. Nous connaissons un peu l'histoire de Jacob. Et Jacob au départ était quelqu'un qui, si on peut dire, un peu fourbe. Il a eu à voler, voler, on peut dire ça, un peu à la bénédiction qui était destinée à son frère aîné Ésaü. Et par la suite de ça, nous savons que Jacob est arrivé à la maison de Laban et il a eu à travailler plus de 14 ans pour pouvoir se marier. Et Jacob était quelqu'un qui, matériellement, à cette époque-là, il était très béni. Il avait beaucoup de matériel qu'on pouvait avoir à l'époque. Et par là, j'aimerais tirer un point, c'est savoir qui nous sommes, l'identité que nous avons en fait. Jacob aurait pu se dire que je suis quelqu'un de riche, donc je suis automatiquement béni. Et lorsqu'on regarde dans le verset 32, dans le chapitre 32, pardon, au verset 26, il est dit: voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Ça veut dire que à ce moment-là, Jacob savait que ce qui arrivait là, ou la personne qui était là, n'était pas n'importe qui. Si je le laissais repartir comme il était, j'allais rater quelque chose. L'identité, elle se matérialise par le caractère que nous avons, que nous transmettons ou qu'on révèle. Jacob, ça signifie un peu supplante. Qu'est-ce que signifie supplanter? C'est écarter quelqu'un de la place qu'il occupe pour se substituer à lui. Et par là, j'aimerais nous dire que ce qu'on a dans le cœur ne veut, ce qu'on montre physiquement ne veut pas dire forcément c'est ce qu'on est dans le cœur. De ne pas regarder forcément une personne avec les yeux physiques, mais de plutôt regarder au cœur. Au départ, lorsque j'étais arrivé ici, j'ai eu à beaucoup rester avec le pasteur Serge pendant un très long moment. Et lorsque je restais avec lui, pour moi, il paraissait comme un homme mystérieux un peu. Un homme, on pourrait dire, il paraît froid, pas très ouvert. Et en passant du temps avec lui, j'ai vu qu'en fait, c'était pas forcément ce que je pouvais voir ou ce qu'il pouvait montrer qui le définissait, c'était plus le caractère ou le cœur qu'il avait aussi. Même pareil que ce soit aussi avec le pasteur Désiré, c'est peut-être une personne qui ne parle pas beaucoup, qui est réservée, mais c'est une personne qui a un grand cœur. Vous savez, avant, dans l'ancien temps, on identifiait des personnes
des fois par leur métier ou par rapport à la situation qu'ils vivent. Par exemple, si tu étais boucher, ton nom de famille à être le boucher. Si tu n'étais pas aisé, on pourrait t'appeler le pauvre ou autre. Et c'est une décision aussi que Jacob a pris, de se dire que là, si je le saisis, je sais que quelque chose changera en fait. Et Dieu dit, à partir du verset 28, il demanda: quel est ton nom? Il lui répondit: Jacob. Il ajouta: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Qu'est-ce que aussi parfois nous pouvons laisser les gens nous appeler aussi? C'est aussi de savoir aussi qu'est-ce qu'on laisse aux gens dire de nous. Parfois le caractère aussi, et c'est vrai que c'est dur à gérer notre caractère, mais si on ne prend pas la décision de laisser Dieu façonner notre caractère tel qu'il le veut ou tel qu'on l'a donné, manifester le caractère de Dieu en nous, ce sera compliqué. Moi par exemple, je sais que avant j'étais une personne, j'aimais beaucoup la bagarre, que ce soit par exemple avec mon grand frère, on ne pouvait pas passer une semaine sans qu'on en arrive aux mains. On arrivait aux mains et ça se terminait toujours soit l'un s'est blessé ou les deux sont blessés. Et en prenant la décision que cela n'allait plus arriver, j'ai compris qu'en fait, en faisant ça, je perdais un peu mon temps. Parfois, il y a certaines choses où on est attaché. On est tellement attaché, mais on ne se rend même pas compte qu'on perd notre temps. Et un temps qui est vraiment précieux, en fait. Vraiment précieux. Tu passes ton temps, à vérifier les commentaires de ce qu'on met sous tes posts, le nombre de likes qu'on met sous tes posts. Mais ce n'est pas ça forcément qui te caractérise. Ce n'est pas forcément ça ce qu'on doit manifester. Nous devons apprendre aussi à manifester le caractère de Dieu. À travers notre identité, on a tous eu à impacter la vie de quelqu'un. Il n'y a personne qui peut dire « je n'ai pas impacté la vie de qui que ce soit ». Même si je prends, par exemple, l'exemple de Joy, il a impacté la vie de ses parents en venant au monde. Il a impacté dans le sens où, aujourd'hui, Pasteur Désiré et Maman Judel se disent « nous avons un fils ». C'est un impact qui est fait dans la vie. Mais maintenant, à travers ton identité, à travers ton caractère, quel impact laisses-tu dans la vie des gens? Quel impact fais-tu dans la vie des gens en fait? Qu'est-ce que tu laisses comme impact? Quelle trace tu laisses? Par exemple, un autre exemple, bon, j'ai beaucoup d'exemples, mais c'est pas grave, on va faire avec. Par exemple, si je pouvais prendre, que ce soit, premier exemple, c'était Maman Judel. Maman Judel, beaucoup pensent que c'est une maman qui ne sait pas sourire. Elle a une difficulté avec ses pommettes, à sourire ou autre. Mais en passant du temps, j'ai vu qu'en fait, dans l'âme, c'est... Je pourrais dire que c'est une enfant. Elle a l'âme d'une enfant, en fait. Vous pouvez être comme ça. À un moment, elle va surgir de sa chambre. Elle va crier comme ça, mais vous allez vous mettre à rire. Mais je me dis, ah ouais, donc en fait aussi, même dans l'église, on peut trouver ce genre de personnes. On peut trouver des personnes qui sont là, à tout moment, ils vont faire des blagues, ils vous font rire, tout ça et tout. Même Maman Rosine, quand j'étais arrivé, une dame qui souriait pour tout et pour rien. Et moi, avant, j'avais un problème avec les personnes qui souriaient pour rien. Je me demandais pourquoi cette dame, elle passe son temps à sourire. Pourquoi? Et j'ai eu à parler avec elle et à poser des questions, à un peu la connaître. Et j'ai compris qu'en gros, lorsque Dieu il est en toi, lorsque tu choisis de faire Dieu ta priorité, tu n'as plus trop le temps de t'énerver, de tout le temps rester le visage fermé, d'être dans ta bulle. Parce qu'en restant dans ta bulle, tu ne fais rien, tu n'impactes pas, tu ne fais pas le travail de Dieu, ou soit si tu le fais, tu le fais mal. Et par là, je me suis dit, ah donc en fait, c'est comme ça, en fait, manifester le caractère de Dieu. Chacun a un caractère de Dieu qui est en lui, mais ce qu'il faut, c'est de demander à Dieu de nous aider à le manifester.
à le ressortir. Vous savez, la logique des hommes est folle pour Dieu, mais la logique de Dieu est folle pour les hommes. Et c'est d'accepter aussi des fois d'être vu comme des fous aux yeux des hommes. Accepter que ce qu'on manifeste ne paraisse anormal. Vraiment paraisse anormal. Vous savez, lorsqu'une personne, qu'on est tous, se fait appeler fou de Dieu, ce qu'il va faire, c'est vraiment fou pour les hommes. Ce qu'il va entreprendre, je dis, mais ça, c'est pas normal, ça, c'est impossible que ça se fasse. Eh bien, ça va se faire, en fait. C'est que je me dis, mon identité, elle est de Christ, en fait. Mon identité vient de Dieu. Et ce que je vais faire repose entre les mains de Dieu et va réussir, en fait. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à toi-même d'abord? Ne laisse pas les autres te caractériser, mais d'abord, toi, prends le temps de savoir ce que tu dis de toi-même et ce que Dieu dit de toi, en fait. Ce que Dieu dit de ton cœur, en fait. À l'intérieur de ton cœur, nous, les hommes, on voit ce qui frappe les yeux, mais Dieu, il voit à l'intérieur du cœur. Lorsque Dieu pose les yeux sur toi, ou plutôt sur ton cœur, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que l'ennemi peut se permettre de dire par rapport à ton cœur, en fait? Par rapport aux actes que tu poses. Dieu pourra dire, ah ben, Mounira, c'est... ma fille qui passe son temps à m'adorer, etc. Mais Dieu lui pourra venir. Oui, mais elle passe son temps à t'adorer, mais non. Elle vient en retard au culte. Elle sèche les cultes. Elle ne prévient pas ses responsables, etc., etc., etc. En posant des actes qui pourraient nous porter à défaut, c'est comme si on donnait nous-mêmes, on prend des balles de fusil, on les donne au diable. Tiens, prends. Lorsque Dieu parlera de moi, toi charge ton arme et tire-moi dessus, en fait. C'est un peu comme si on disait ça, en fait. En se comportant mal, c'est un peu ce qu'on fait, en fait. Dieu te voit comme un adorateur, un enfant exceptionnel, tout ça. Mais les actes que tu poses, ben Dieu, le diable, les récupère et en fait des munitions pour pouvoir t'abattre, te cibler, en fait. Lorsque Dieu fera tes éloges, en fait. Regardons en nous-mêmes, revenons en nous-mêmes, voyons ce que nous pouvons refléter, en fait, ce que notre cœur pourrait refléter. Comment ton cœur pourrait réagir face à certaines situations? Comment ton cœur se porte? Comment toi-même tu te comportes face à certains moments, face à certaines situations, même face à certaines personnes? Si à certaines personnes, tu les vois, ton cœur, il a mal. Mais est-ce que tu le rejettes ou tu le gardes en toi-même et tu laisses passer? Moi, avant, je ne laissais rien passer. Hein. Rien. Mon frère, il pouvait faire quelque chose. Sur le champ même, j'allais réagir. On allait se battre. Je m'en fous que tu sois mon grand frère ou pas. On allait faire quelque chose. Aujourd'hui, il fait quelque chose, je ne dis rien. Je laisse la chose couler. S'il s'excuse, tant mieux. S'il ne s'excuse pas, tant mieux aussi. Mais... je sais que Dieu m'a changé d'un côté. Et est-ce que nous tous ici, nous pouvons dire sur tel point Dieu m'a changé ou Dieu m'a changé, mais moi-même, je suis revenu à ce point-là, en fait. Est-ce que je suis revenu à ce point de départ, à cette embouchure-là, en fait? On sait que lorsque Jacob, il a lutté avec cet ange-là, même s'il lui a déboîté la hanche, pour avoir une fracture à la hanche, franchement, ça fait très très mal. On t'a coupé en deux, en fait. Le bas là, je ne sais pas comment il faisait Jacob, mais il a continué à lutter. Malgré les coups que tu reçois, est-ce que tu continues à lutter pour avoir ou recevoir de ta part de Dieu, en fait? Recevoir de ce que Dieu dit pour toi. Amen. Par là, j'aimerais nous sensibiliser à notre identité, en fait. Aussi au caractère, en fait. L'identité, c'est plus le caractère. Ce n'est pas forcément ce que je présente. Comme je me tiens devant vous, c'est Daniel. Non, c'est plus mon caractère qui ferait que les gens puissent dire Daniel, il est comme ceci, il est comme cela, ainsi de suite. C'est vraiment au caractère. Parce que je peux faire une description facilement. C'est facile de faire une description. Voilà, c'est un être humain.
il a des cheveux, il a deux bras, deux jambes, ainsi de suite. Mais le caractère va pousser les gens à te côtoyer en profondeur ou à te connaître plus en profondeur, en fait. Protégeons nos cœurs et prions à ce que Dieu puisse nous aider à manifester son caractère. Amen. Sans plus tarder, nous avançons. J'ai beaucoup parlé. Nous allons avancer, nous allons nous lever, nous allons prier pour le moment de la parole. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu et recommander aussi le serviteur que Dieu s'est choisi. Prions. Seigneur, Papa, nous venons devant toi te recommander ce moment entre tes mains. Papa, que ce moment puisse nous être bénéfique à tout un chacun ici et même les personnes, Seigneur, qui nous regardent, Papa. Papa, permets à ce que ce message qui nous sera transmis puisse rester dans nos cœurs. Que chacun, Seigneur, puisse être concentré et être animé par ton esprit. Que nous puissions oublier chaque problème qui aurait pu venir dans nos pensées. Chaque situation qui aurait pu troubler nos pensées. Seigneur, toi seul au contrôle de nos pensées, Seigneur. Papa, laisse chaque personne être concentrée, Seigneur, à recevoir ta parole et que les cœurs puissent être disposés, Seigneur, à recevoir. Seigneur, que la personne que tu t'es choisie de pouvoir nous transmettre, nous donner ce que toi tu as mis dans son cœur puisse être revêtue de ton esprit. Que sa bouche, Seigneur, puisse être ton mégaphone, Seigneur, sur lequel tu parleras, Papa du Tout-Puissant. Touche-le, Seigneur, touche son cœur et que les paroles ne puissent pas manquer du Tout-Puissant, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons, nous acclamons pour le Seigneur pendant que le pasteur Désiré s'approche. Nous acclamons, 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 acclamons. Là, vous avez acclamé pour le pasteur Désiré. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'on sache que nous sommes vivants, ça c'est ce qui doit traverser notre esprit à chaque moment. Nous ne dépendons pas des circonstances, parce que notre Dieu est le Dieu qui domine les circonstances. Nous ne dépendons pas des temps, parce que notre Dieu est le maître des temps. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et j'en profite pour la même occasion pour saluer tous ceux qui sont sur Internet. Heureux de nous savoir tous présents dans la devant notre Dieu, au pied de Jésus de ce jeudi. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, vous savez, la vie est quelque chose de vraiment précieux. La vie demande à être entretenue. Non pas charnellement, mais spirituellement. Tout ce que nous voyons dans le physique commence dans le spirituel. Tout à l'heure, on nous a exhortés. Je crois que tu as reçu ta part. Notre bien-aimé était vraiment inspiré. Et pendant ces quelques temps, nous allons partager la pensée que Dieu nous a mis à cœur. J'aimerais que tu sois attentif, attentive. Que tu te dises, c'est le temps où je veux recevoir de Dieu. Dans pareil moment, nous avons besoin de nous consacrer à Dieu. Même si les autres vont se fatiguer, vont se décourager,
chose que, pour laquelle nous prions pour que Dieu leur donne la force. Mais toi, reste vigilant et reste auprès de Dieu. Par le temps qui court, comme a dit la parole de Dieu, quand le péché se sera accru, la charité du plus grand nombre diminuera. Alléluia. Amen. Si toi tu as l'amour, si tu sais c'est quoi ton identité, tu supporteras ces personnes affaiblies. Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Que nous puissions avancer avec lui. Peu importe ce qui traverse ton esprit. Peu importe les problèmes que tu as dans ton cœur. Sache que Dieu est Dieu. Amen. Je me sens plus tarder. Partir avec vous dans le livre des Philippiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Philippiens chapitre 1, 12 à 21. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever et lire ensemble pour honorer la parole de Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 12 à 21. Je vais lire au nom de Jésus. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter encore quelques tribulations, dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé ou prêché. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente, mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Amen. Fermons nos yeux. Père, nous voulons que Dieu, pendant ce temps, que toi tu puisses parler. Nous te laissons la place parce que nous sommes incapables de pouvoir dire quelque chose qui soit puissante sans ton accord. Je m'abandonne, Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains, comme l'instrument que tu as choisi ce soir pour parler à ton peuple. Et par la même occasion, j'abandonne mon interprète, que tu puisses utiliser notre Dieu sa bouche, que tu lui donnes encore d'avoir une intelligence, une sagesse renouvelée, et surtout d'avoir la révélation. Nous nous voulons diminuer, que toi seul puisses croître, nous effacer, que toi tu apparaisses, nous abaisser, que toi tu sois élevé. Dirige ce temps du début à la fin et parle au cœur disposé
pour que nous puissions jouir du bonheur que tu nous as promis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Par ce récit, nous entendons quelqu'un parler. Cette personne se trouve être l'apôtre Paul. C'est un homme que Dieu avait appelé, à qui il avait donné une mission d'aller vers les païens. Simplement parce que lui-même était un grand persécuteur de l'église. Dieu l'a choisi comme un instrument. Et pendant qu'il travaillait, ceux qui étaient ses maîtres, ceux qui l'envoyaient, se sont mis à les persécuter. À cause de Christ, l'apôtre Paul a souffert de prison. Il a été battu. Bref, il était mal dans son corps. C'était pour un seul but. De les décourager dans la voie qu'il avait accepté le Seigneur. Et la question reste à être posée, c'est que est-ce que tu comprends pourquoi tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es appelé? Nous venons tous des familles où nous trouvons aussi des païens, des gens dans nos familles qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu t'es posé la question de dire pourquoi Dieu m'a choisi moi? Pourquoi je dois être dans sa maison pour le servir? Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas mes frères? Pourquoi pas mes soeurs? Pourquoi pas mes parents? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? L'apôtre Paul devait avoir une famille. On n'en a pas parlé. Et Dieu, quand il a fait son choix, il savait pourquoi il avait appelé. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord te dire une chose. Puisque tu as accepté Christ, que tu as accepté de le servir, sache que tu as accepté les souffrances. Mais je vais te dire une chose. La Bible dit ceci. Les malheurs attestent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quelles que soient les situations que tu pourras traverser, Dieu sera toujours là pour te délivrer. C'est l'assurance qui doit nous redonner la force. L'apôtre Paul a accepté la mission. Mais pendant qu'il persécutait l'église, il ne pouvait pas s'imaginer ce que c'était faire souffrir quelqu'un. Mais quand il s'est retrouvé dans cette peau, c'est là qu'il a compris que ce que je faisais était réellement mal. Alléluia. Amen. Dieu t'appellera parce qu'en toi il a placé quelque chose. Maintenant reste à savoir comment toi tu prends Dieu. Dieu est qui pour toi? Comment tu les considères? Quand on te posera la question, qui est Jésus? Quelle réponse donneras-tu à ceux qui ne les connaissent pas? Parce que tu ne peux donner que l'expérience que toi tu as. Pour que les autres aussi arrivent à accepter Christ. Si on te pose la question pourquoi tu vas à l'église, normalement tu ne dois pas manquer de réponse. C'est triste de voir ce que nous voyons. Des gens qui s'appellent chrétiens. Je dis chrétien. Je ne dis pas chrétien. Je dis chrétien.
புத்திசாலி இல்லாதவன் சொல்லல மே கி ஆனா யாரு ne sait pas faire la part des choses சில பேருக்கு வந்து என்னென்ன காரியங்கள் இருக்குன்னு ஒழுங்கா பகுத்து பார்க்க தெரியாத இருக்காங்க பவுல் அப்போஸ்தலருக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு Il va s'adresser aux Philippiens. Vous savez tout ce que nous voyons que l'apôtre Paul a écrit. Ce n'était que des lettres. C'est-à-dire, il se trouve dans une situation quelque part. Il était en train d'écrire. Et cette fois-là, il s'est souvenu des Philippiens. Il leur parlait. Parce qu'il devait lui par lui de son côté donner la définition de Christ dans sa vie. Qu'est-ce que Christ représentait pour lui? Il écrit aux Philippiens. Pour leur montrer combien il estime Christ. Christ vandu endha alavukku avaru uyarthichirukkar. À quel rang, quel niveau lui prend Christ? Yedathila endha nilayila avaru vechinirukkar. Adu kaamikkirathukku adukkaga avaru kekkiraru. Avaru solluvaru. Je veux que vous sachiez frère. Sagodragal ungalukku oru kaaram theriyanum. Ce qui m'est arrivé. Enakku enna nadandhuchu. A plutôt contribué au progrès de l'évangile. Indha suvishesham valarppukkaga payanpaduthunathu. Et j'ai compris que bien souvent nous les chrétiens d'aujourd'hui nous voulons simplement que tout soit en rose quand je roule avec une voiture qui n'a pas de carburant j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai un problème par exemple je n'ai pas mangé je commence à m'inquiéter au point même de vouloir abandonner Dieu mais quand l'apôtre Paul parlait il n'était pas dans une fête il n'était pas dans un endroit où il était dans de très bonnes conditions pendant qu'il écrivait l'apôtre Paul se trouvait dans la prison à l'époque pour ces gens là avant que tu ne sois mis en prison tu dois d'abord subir des coups on va bien te tabasser pour qu'une fois tu sortiras de la prison que te dise eh, moi en tout cas je ne fais plus servir Dieu un jour je me pose la question mais pourquoi Pierre avait renié Jésus Pierre a vu comment on tapait Jésus. Il a vu comment on les malmenait. Parce que le Seigneur lui avait dit. Il dit au Seigneur, Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus le regarde et lui dit trois fois tu me régneras non. Mais quand on a arrêté le Seigneur pendant qu'il était tabassé Pierre a vu les gens qui se jetaient sur lui. On dit toi tu étais avec lui. Pour éviter le problème, il se déplace. Il va à un autre endroit. Il y a encore un homme qui vient. Toi tu étais avec lui. Il s'est dit, je vais me déplacer. Il va encore à un autre endroit. Il y a une dame qui vient. Toi, tu parles comme lui, donc tu es avec lui. Cocorico! Et son regard fixa le regard de Jésus. Pourquoi Pierre avait peur? Il ne voulait pas être tabassé comme tabassé Jésus. Et Pierre s'est retrouvé en prison après avoir été copieusement tabassé. C'est là. Pendant les moments difficiles, les moments où tu ne peux rien, qu'est-ce que tu te dis?
Je me rappelle encore un jour. On avait fini les cultes. On devait rentrer à la maison. J'étais avec ma famille. Maman, je n'étais pas là, je partais avec les enfants. J'étais avec maman Emilienne et Natacha. Maman Emilienne et Natacha Orion Erda. Je rentre dans la voiture, je démarre. Car le poron. Dès que je démarre la voiture, start panoné, vende car et satan gourkle. J'essaie la deuxième fois. Non, n'abo mouir certoana car velle seila. Et personne n'avait remarqué. Yaro vende or car te pakne. Je suis resté calme. Na vende rombo nidar no maga Erda. J'ai dit mais Seigneur. Na sona andevri. Je viens de te servir. Maintenant, avec la fatigue de la journée, je dois rentrer. J'ai mes enfants dans la voiture qui n'ont pas encore mangé. Comment tu peux permettre ça? Ça, c'est au dedans de moi. J'ai essayé encore. La voiture ne démarrait pas. J'ai appelé Janine. J'ai dit, Janine, viens nous aider. La voiture ne démarre pas certainement. Je n'ai pas de carburant. Et ces jours-là, je n'avais pas un seul sou. Et j'entends Gériel derrière qui dit, je vais Burger King. Burger King, venons. Tu vois ce qui m'a rendu triste ces jours-là? J'étais incapable d'acheter même un Burger King à ma fille, à mes enfants. Et en plus, la voiture tombe en panne. Et moi, je m'étais dit, c'était une panne d'essence. J'ai appelé Janine qui est avec Maxime. Je crois Maxime ou Valentin. Il est Valentin, il n'y a pas. Ils sont partis à une station, ils m'ont acheté du carburant. Ils sont venus, on a mis dans la voiture. Je démarre. La voiture ne démarre pas. Or, cette voiture-là a deux clés. Dans l'une des clés, j'ai perdu le condensateur. Donc, cette clé-là peut ouvrir la porte, peut aussi démarrer. Mais quand tu accélères, puisqu'il y a la sécurité, ça coupe. Au lieu de mettre la vraie clé, moi j'avais mis l'autre. Donc, pendant que c'était en train de démarrer, la voiture ne pouvait pas avancer. J'ai cru que c'était l'essence. J'ai commencé à prier, mais vous ne saviez pas, Natacha. Vous étiez avec moi, mais vous ne saviez pas. Je n'ai jamais eu mal que ces jours, comme ces jours-là. Mais alors que ce n'était pas le problème du carburant. J'ai deux clés. Celle que j'utilise là n'est pas la bonne. Quand j'ai pris l'autre, j'ai démarré. La voiture a démarré. Et bien que la voiture a démarré, mes enfants n'ont pas pu avoir le Burger King. Je crois que ce jour-là, c'est Natacha qui s'est proposée. Je ne sais pas ce qu'elle leur avait acheté. Mais elle avait fait quelque chose pour elle. Les deux là. Est-ce que vous comprenez quand vous servez Dieu? Des choses qui peuvent vous déranger des fois. Qui peuvent vous dire, je n'en peux plus. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous êtes avancé avec, vous commencez à avancer avec Dieu. Il y aura toujours des choses qui viendront. Vous vous dites stop. Vous faites fausse route. Si vous vous dites que la chose est plus forte que moi, là vous perdez tout. L'apôtre Paul dit au début, je veux que vous sachiez, frère, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Parce que pendant que lui était en prison, l'œuvre de Dieu continuait. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il parlait, parce qu'une personne qui est en prison n'est pas libre de ses mouvements. Tu peux te déplacer que
dans les quatre coins où tu es enfermé. Tu ne peux pas te dire je suis en prison à Rion. Non mais le soir il faut que je fasse à Jod. Non. Ta liberté. Est l'histoire de prison a commencé quelque part. Parce que tout le monde savait que quand on met quelqu'un en prison, quoi qu'il arrive, la personne change. Ne se laissera plus dans la chose dans laquelle on l'a condamné. Il y a une femme qui avait son mari, et ce mari-là, il sortait beaucoup. Il allait dehors prendre d'autres femmes. Comme ils avaient une maison en étage, leur salon donnait était en haut et en bas, il y avait le garage où ils gardaient la voiture. Où ils garaient la voiture. La femme va faire pas appeler les professionnels de la maçonnerie. Ils ont fait un trou sur le toit, mais dans le salon. Et le trou donnait dans le garage. Elle va bloquer le garage dehors, à l'extérieur, pardon. Elle prend les clés et les garde. Et pendant que son mari rentre, ah bonjour chérie, comment est ta journée? Là où il avait mis les trous, il a mis la moquette, le tapis. Il appelle son mari. Il dit, mais chérie, je t'ai fait à manger. Ça va. L'homme dit, non, mais je vais te sortir, j'ai des amis que je dois voir tout ça là. Il dit, viens d'abord t'asseoir, viens boire un coup. Comme ça, tu manges, après tu vas sortir. Assis-toi, je vais te servir rapidement. Tu manges rapidement, après tu vas sortir. Et là où l'homme est allé poser ses pieds, c'était là où il y avait les trous. Donc du coup quand il a posé ses pieds, paf, garage. Donc il ne pouvait pas monter parce que c'était haut, il n'y avait pas d'escabeau. Et il ne pouvait non plus sortir par l'entrée où ils entraient pour garer la voiture, parce que la femme avait bloqué. Et l'homme est resté là. Tout ce que la femme faisait, elle prenait soin de lui apporter, de lui donner à manger. Tout ce qu'il voulait, il dit, tu auras tout ce que tu veux. Mais je veux te voir là. Chaque jour quand tu rentres, je vais sortir. Je veux te voir là à l'intérieur. Et la fin de cette histoire, c'est que l'homme, quand il est sorti de cette prison dans sa maison, a changé. C'est comme ça qu'on a eu l'idée, on a dit, si on crée des prisons, ça va permettre à ce que les gens de mauvaise vie changent de vie. Donc le but de la prison, c'est pour te faire changer d'avis. Comme tu as accepté Christ, le diable voudrait à tout prix de te mettre le bâton dans les roues, créer des situations dans le seul but que tu renies Jésus. Pierre était triste quand le Seigneur l'a regardé. Jésus n'a rien dit, mais le regard de Christ voulait dire, je t'avais dit, tu ne m'as pas cru. Je t'avais dit que tu vas me renier. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au temps où le royaume commence à descendre. Le diable va faire en sorte que beaucoup de gens puissent rater le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que le diable était un ange au service de Dieu. Il sait ce qui se passe là-haut. Il sait que nous allons hériter ces choses-là. Maintenant, il fait tout pour nous empêcher d'arriver à atteindre cette promesse. Quand l'apôtre Paul était aveugle après avoir rencontré Christ, Dieu va révéler à Ananias. Il dit, va dans telle maison, va dans telle rue, va dans telle maison,
Tu trouveras quelqu'un là-bas. Va prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. Ananias avait dit, oh non, mais Seigneur, c'est pas grave. Mais quand il a appris que c'était Paul, Saul de Tarse, cet homme-là qui attrape les gens. Seigneur, tu veux que moi j'aille là-bas pour qu'il m'attrape? Dieu a dit, c'est un instrument que j'ai choisi. C'est pourquoi il va dire aux Philippiens, je veux que vous sachiez ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès, non pas à la régression de l'évangile, mais au progrès de l'évangile. Même dans mes chaînes, je n'arrêterai pas de servir Dieu. Et il a parlé de tout ce qu'il pouvait dire. Ce qui m'intéresse, qui est d'ailleurs mon thème, parce que j'ai déjà commencé, mon thème, Christ est ma vie. Est-ce que toi tu peux le dire? Vous savez, il y a des gens qui dépendent de leurs parents. D'autres qui s'empressent d'être au travail, mais comme pas possible. Parce que les personnes se disent, si je quitte mon travail, ma vie est perdue. D'autres se disent, mon mari ne veut pas que je sorte, que j'aille à l'église. Si je le perds, c'est fini. Je vais te dire une chose. Ton mari peut te quitter. Ta femme peut te quitter. Ton travail peut te quitter. Dieu te donnera autre chose à la place. Mais si tu perds Dieu, personne ne te donnera un Dieu comme celui-là. Alléluia. Amen. Personne ne te donnera un Dieu comme celui-là. Comment Paul définissait Christ? Il dit Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Comment Christ peut être ta vie? Et que tu dises que la mort est un gain pour toi. Christ est ma vie. Dans l'explication de cette parole-là, il voulait simplement dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. C'est-à-dire qu'en dehors de Christ, je n'ai pas de vie. Et la mort, l'assurance de Paul de glorifier le Seigneur Jésus Christ, quoi qu'il arrive, par sa vie ou par sa mort, repose sur le fait que qu'il ne vit plus pour lui-même. Paul savait qu'il vivait pour Jésus. Sa vie terrestre était consacrée au point de vivre ici-bas. N'avait plus de valeur. Sa vie terrestre ne signifiait plus rien. Il se disait avec assurance, pour moi, vivre, c'est Christ. Parce qu'il ne considérait plus ce qu'il était. Il était en prison. On pouvait lui dire, voilà, on va te crucifier. Ou on va te lapider. Vous savez, quand tu es en prison, tu ne peux sortir que par grâce d'un roi ou d'un président. Autrement, tu restes prisonnier. Il dit, il s'est dit,
Il s'est dit. Ma vie n'a plus d'utilité. Tout ce que je suis n'a plus d'importance. Parce que je ne vis pas de moi-même. C'est pourquoi il a dit. Christ est ma vie. Christ vende enoda vaalkiyaga. Et la mort m'est un gain. Adhe pole marnum enakku oru laabamaga irukku. Et si je vis encore. Na unnum vaalnda. Si je vis encore. Na unnum vaalnda. Je vivrai en Christ. Na Christ kulla vaaluvan. Mourir m'est un gain. Marithu pogurathu enakku oru laabamaga irukku. Parce que être en Christ, Jésus-Christ koulle irukirthu. Il dit même si avaru solraru je meurs, na marithu ponalum cette mort de martyr andha maranam vandu cela glorifiera Christ. Andha yagiyana maranam vandu Jésus-Christ kaga magimey kodukum. Si je meurs, cette mort de martyr, ce sera pour la gloire de Dieu. Mais dans ses pensées, il s'est dit, cela me jettera dans le bras de Christ. C'est pourquoi j'ai une chanson que j'ai écrite, que je n'ai pas encore chantée, dans ma langue. Je vais traduire. Qui dit, Yango. Yango no irke. Yango veut dire. Yango kinartona. Ce pourquoi. Ad edukaga edukaga. Dans cette chanson, j'ai dit quelque part. Ande paadala vandha na or kaaram solran. La haine des autres. Mathamul mele irukra virupu. Me rapproche de ton amour. Mathamulude virupu vandhu ungalukku kitta enna kitta poru ittunu pogudhu. Le mal que les autres me font. மற்றவங்க செய்யற கெடுதல் எனக்கு மே ரப்ரோச்சே ப்ளஸ் வேர் toi உன்ன உங்க கிட்டே என்ன தள்ளுது des fois je souffre சில நேரம் நான் கஷ்டப்படுறேன் je me suis une fois posé la question எப்போதான் எனக்குள்ள கேள்வி கேட்பான் est-ce que Seigneur tu m'as créé pour souffrir ஆண்டவரே நான் கஷ்டப்படுறதுக்காக என்ன படைத்தீங்களா depuis tout petit என்ன சின்ன வயசுல இருந்து j'avais je sais pas moi 3 ans ou 2 ans ஒரு வயசுல ரெண்டு வயசு இருக்கும் நினைக்கிறேன் déjà des gens qui voulaient que je meure நான் செத்து போகணும்னு ஜனங்கள் ஆசைப்பட்டாங்க Ils vont dire à ma mère, c'est pas toi de ton mari. Si tu ne te sépares pas de lui, deux de tes enfants vont mourir l'un après l'autre. Et c'était moi avec mon frère du Canada. Mais je vais te dire, te rassurer une chose, que ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Si du moins tu comprends, qui est Christ pour toi? Christ Je ne sais pas comment tu l'appelles. Je ne sais pas comment toi tu le définis. Je le répète encore aujourd'hui. Pour moi, Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Comment tu crois Dieu? Si tu vas le présenter, parce que des fois quand on présente, on a nos amis. Je peux présenter Natacha chez quelqu'un. Je dirais c'est ma soeur de l'église. Et la personne qui verra Natacha va la respecter parce qu'elle vient de mon église. Comment expliques-tu aux gens ce que Christ est pour toi? Qu'est-ce que tu dis aux gens? Ce que Christ est pour toi. Quand tu te sens Sache que Christ te dit viens. Quand les gens veulent ta mort, ஜனங்கள் வந்து உங்க மரணத்துக்கு எதிர்பார்க்கும்போது Christ te dit je te donne la vie. Christ வந்து உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கறேன்னு சொல்றாரு. Quand les gens voudront t'abaisser, ஜனங்கள் வந்து உங்களை கீழே வைக்கணும்னு ஆசைப்படும்போது Mais Christ le ஏற்றுக்கொள்ளுங்கனா இயேசு வந்து உங்களை உயர்த்துவாரு. Quand les gens ferment les portes, ஜனங்கள் வந்து கதவுகளை மூடும்போது Christ va ouvrir d'autres portes pour toi. Si le chemin est barricadé, Christ va frayer le chemin. Christ va nous ouvrir le chemin. Effrayer le chemin. Il ouvrira des portes pour que tu
toi tu passes. Quand des blocages arriveront, dis seulement Christ est ma vie. La mort m'intégrait. C'est pourquoi David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette est un bâton, me rassure. Qu'est-ce que Christ est pour toi? Nous sommes arrivés au temps où les gens commencent à perdre la foi. À cause de ce qu'ils vivent. Moi j'ai dit à Dieu, je vais t'expérimenter au plus haut niveau. Et je crois, si tu m'as appelé, ce n'était pas pour rien. Comme tu n'es pas un Dieu médiocre, je ne serai jamais médiocre. Comme tu es un Dieu de l'excellence, tu m'amèneras dans l'excellence. Christ est ma vie. La mort m'éteint à 10 pôles. Paul வந்து சொன்னாரு மரணம் எனக்கு ஒரு லாபமாக இருக்கு. Il est mort certainement. அவர் வந்து கண்டிப்பாக மரித்து போனார். Mais c'était pas dans cette situation là. ஆனா இந்த சூழ்நிலையில அவர் மரித்து போனார். Alléluia. Amen. Romains 14. Romains 14. 7 à 9. Romains 14. 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Vous savez, Job avait dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, non. Ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dans Job 3. Alléluia. Amen. Je crois le verset 25 ou 24. N'ayez pas peur de souffrir pour Christ. Vous savez, vivre ou mourir, dans les deux cas, Christ sera toujours avec toi. Quand Paul a écrit ces choses, il était enchaîné. Il avait été torturé, emprisonné à Rome pour cause quoi de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce que ces gens ne voulaient pas du tout que Christ soit prêché. Ils voulaient l'interdire ou fermer sa bouche pour que Christ ne soit pas prêché. C'est ce que tu vas souffrir. Les gens vont essayer d'une manière ou d'une autre de t'empêcher d'exceller dans les choses de Dieu. Mais comment tu définis Christ? Je vais te dire une chose, bien aimé. Travaille pour ce que tu dois recevoir de Dieu. Et ne travaille pas pour ce qui est éphémère. Ne travaille pas pour ce qui passe. Tout ce que tu vas amasser sur la terre, le jour où tu mourras, tu ne l'apporteras pas. Si Dieu nous donne des biens, de l'argent, c'est pourquoi nous pouvons vivre bien dans sur cette terre. Mais comprenons seulement que non, notre cité à nous ne se trouve pas sur la terre. Notre cité à nous est là-haut. C'est pourquoi Christ disait, je m'en vais vous préparer une place. S'il n'y avait pas de place, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Christ est assis à la gloire de Dieu. À la droite de Dieu. Chaque fois que tu as un problème, tu es malade. Christ est
Christ va dire. Jésus Christ சொல்வாரு. Papa regarde. எங்க அப்பா பாருங்க. Regarde la croix. அங்க பாருங்க சிலுவை. Regarde comment j'ai été percé là-bas. நான் எப்படி அங்க கஷ்டப்பட்டேன் சிலுவை. Regarde cet enfant là malade. இந்த குழந்தை பாருங்க வியாதியில இருக்காரு. Et notre parole dit. நம்மளோட வார்த்தையில வந்து ஏதி இருக்கு. Que c'est par ces meurtrissures que nous avons, ils ont été guéris. Je vais vous dire une chose. Quand tu fais une prière, ne t'en prie pas. Dis seulement à Dieu. Ta parole dit. Ta parole dit. Rappelle à Dieu sa parole. Il est le seul qui prend soin de ses paroles. அவர் வார்த்தை சொன்ன என்ன சொன்னாரோ அதுக்கு வந்து பார்த்து நடக்கிறது வந்து சிலுவையில உங்க ஏழைத்தனத்துல உங்களை இந்த குழந்தைக்கு பாருங்க இவருக்கு ஒரு காரியம் தேவையாக இருக்கு நம்மளோட வார்த்தையில ஏதி இருக்கு Seigneur, accomplis ces choses. N'abandonne pas Dieu à cause des tribulations. À cause des choses qui vont te faire mal. Mal, tu auras mal. Toute ma vie. Je ne me prêche pas. Mais j'aime donner des exemples authentiques. Je n'ai fait que souffrir. Des moments, par moments, je pleure, mais tu ne vois pas mes larmes. Je commence à faire comme Anne. Anne madri, na solluvan. Idu pesikane irupan. Le sacrificateur arrive et dit. Asariyargal vandu solluvaru. Faut te passer de ces vins là. Kudikirthu ni paattu. Il dit je n'ai pas bu. Avanga solluvanga na kudikkala. L'amertume dans l'âme. Ina enukulle irukra kasappu. J'adresse mes paroles à Dieu. Comme elle avait tellement crié, il ne restait plus qu'à. Alléluia. Amen. Christ en vous. Christ namakul. La Bible dit, écoutez. Colossiens 1:27. La Bible dit. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est moi Christ en vous. Doivent se rapporter à toute phrase qui précède. Écoutez. La richesse de la gloire de ces mystères, c'est Christ. C'est-à-dire que ça veut seulement te dire la richesse de la gloire de ces mystères qui est Christ. C'est Christ en vous. Christ, sa personne, son œuvre. C'est là tout l'évangile. Les mots rendus par vous signifient aussi Christ parmi vous. Christ vandu namba mathile. Vous avez une espérance. N'est pas espérance au moment si jamais on a déjà la chose entre ses mains. Si tu veux un iPhone 15, tu peux espérer l'avoir. Mais si tu l'as déjà, tu ne peux pas espérer à ça. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous faire comprendre? Paul apostar idu mulamaga enna puriyaveka aasa pattarana. Il voulait simplement nous dire. Ennadana? Même au moment où nous passons des moments difficiles. Namba kashtamana soonilele pogumbodhu kudum. Nous devons savoir une chose. Nammalku oru kaaram therinum. Nous devons garder quoi? La foi. Namba viswasam thavandu namba vechina irukkanum.
parce que la foi nous transplante en Christ. Pour que la mort devienne, j'ai dit bien, ça dit nous transporte en Christ. Que sa mort et sa vie deviennent notre mort et notre vie. Le crucifixion du Sauveur doit se reproduire en nous par le renoncement douloureux et la mort graduelle du vieil homme qui se trouve en nous. Quand je parle de moi, les mois doivent laisser place. C'est pourquoi je ne peux pas dire que c'est par mes efforts que je prêche. C'est par ma connaissance que je parle. Parce que le moi qui est mon vieil homme doit se taire pour laisser la place à Christ. L'union des rachetés que nous sommes avec notre Seigneur Christ ressuscité, notre union crée un nouvel homme, nous donne une autre nature. Étant les croyants ou ceux qui avons accepté Christ par la foi, nous devons nous identifier en lui. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il s'identifiait en Christ. Même dans la chair, nous devons nous identifier à Christ. La Bible dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu, mais il n'a jamais commis de faute ni de péché. C'est ce que nous devons faire. La foi que nous avons en Christ c'est la source ou la condition d'une existence nouvelle. Christ ne peut pas rentrer dans ta vie et te laisser tel que tu es ou tel que tu étais. Son passage laisse des traces. Que l'amour de Christ était tellement immense, mais tu peux aussi les punir pour dire, bon, toi comme tu as tué les gens là-bas, toi je vais te tuer. Si Dieu l'a fait passer par les épreuves, il avait dit à Ananias, je lui montrerai des choses qu'il va souffrir. À cause de quoi? À cause de mon nom. Et le but de Christ était que le vieil homme qui était dans Saul de Tarse ou Paul puisse céder la place au nouvel homme, l'homme régénéré, l'homme qui a compris qui est Dieu. Alléluia. Amen. Christ ne veut pas Christ que nous puissions chercher les justifications, la justification par les œuvres de la loi. Mais il voulait dire, nous devons parler touchant la foi.
Tu peux être uni tellement à Christ. Tu dois être uni tellement à Christ. Tu dois profondément être uni à Christ. Pour que cela puisse donner à ce que tu deviennes inséparablement un avec lui. Pour que à la fin tu dises, je suis Christ. C'est-à-dire sa justice, sa droite, sa victoire, sa vie est aussi en moi. Et pour que Christ dise à son tour, je suis ce pauvre pécheur. Tous ses péchés et sa mort sont devenus mes péchés et ma mort. Dès qu'il s'est uni à moi par la foi, que je puisse vivre en lui. Ce que Dieu veut, que toi tu puisses dire, je suis Christ. Quand je dis je suis Christ, je veux seulement te dire que je suis chrétien. Et que Christ prenne tout ce qui est de toi. Des défauts, des incapacités, ton manque de sagesse, d'intelligence, tout ce qui ne va pas dans ta vie, qui le porte comme il a fait sur la croix. Et c'est là qu'il a changé nos vies. Christ est ma vie. Est-ce que pourras-tu dire Christ est ma vie? Yes, Christ est notre et confesser partout, Christ est ma vie. Christ est notre vie. Christ est tout, sauf rien. Christ je ne suis rien sans lui. Je ne peux rien sans lui. Est-ce que tu peux le dire? Il veut simplement que tu confesses, je suis chrétien ou je suis Christ. Parce que lui se mettra à ta place. Ce que Christ veut, que toi tu montes aussi, que tu te retournes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul l'a fait. Et je sais que il a achevé sa course. Quand il n'avait pas encore achevé, il avait dit, ce n'est pas que j'ai déjà achevé ma course. Je cours pour atteindre mon but et recevoir ma couronne. Mais maintenant qu'il est parti, il est dans l'assurance de savoir qu'il sera avec Jésus. De savoir qu'il expérimentera Jésus. Est-ce que tu peux dire dans ta vie, Christ est ma vie? Christ est notre vie. Ne regarde pas les difficultés par lesquelles tu passes. Sache que Christ a donné sa vie pour toi. Il a donné pour te faire du bien. Lève-nous. Seigneur, merci pour ce soir parce que j'ai compris que tu es tout pour moi souffrir. Élève ta voix. Amen. J'espère que nous avons été bénis par ce message. N'oublions pas Christ et ma vie. Positionnons et sachant si nous pouvons le dire dans notre vie que Christ l'est.
notre vie, notre être, notre tout, notre ensemble, c'est Christ. Amen. Nous avançons vers la fin. Avant ça, j'aimerais que puissions nous lever et tendre nos mains vers le pasteur Désiré, prier pour lui et ne pas manquer de dire des bonnes choses pour lui. Voilà une signification aussi de bénédiction, bien dire d'une personne. Amen. Pour une personne. Amen. Prions. Seigneur Papa, nous venons te prier pour ton serviteur, le pasteur Désiré. Papa, toi qui l'as choisi pour qu'il puisse nous parler ce soir, Papa, nous te disons merci pour sa vie, Seigneur. Papa, permets à ce qu'il puisse encore se ressourcer auprès de toi, qu'il puisse encore puiser dans tes ressources, Papa, Seigneur. Déverse sur lui, Papa, une autre onction, une autre grâce particulière, individuelle pour lui et pour lui seul, Papa, afin qu'il puisse continuer à être une bénédiction pour nous, Papa. Dieu Tout-Puissant, soit à l'avant de ses projets, au centre de ses projets. Te disons merci pour sa vie, pour sa famille, Papa Dieu Tout-Puissant. Garde-le, protège-le, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi, Papa Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avançons vers la fin de notre culte. Nous aurons notre culte de ce dimanche dominical qui débutera à 10h30 jusqu'à 13h, où nous aurons comme thème, qui connaît le thème? Bon. Qui connaît le thème de ce dimanche? Nous appartenons à la lumière. Ce thème, je pense qu'il nous bénira tout à chacun, qui sera un peu, si je peux dire, une continuité aussi de ce que nous avons eu aujourd'hui. Nous allons nous lever aussi, c'est notre premier culte du mois de novembre, et nous allons prier, dédier ce mois de novembre, aussi tous les cultes de ce mois, et que tous ces cultes que nous aurons durant ce mois puissent se passer merveilleusement bien sous la grâce de notre Seigneur et son Esprit. Prions. Seigneur Papa, nous venons, Seigneur, te recommander ce mois, te dédier ce mois de novembre, Seigneur. Ce mois où, Seigneur, nous aurons différents cultes. Que ces cultes, Papa, puissent être des cultes où toi tu seras au centre, où toi tu seras élevé, Papa, où ton esprit sera manifesté, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, durant tous ces mois d'août, tout ce mois d'août, tous ces cultes, Papa, durant ce mois, que nous puissions être bénis, Papa. Que les messages que nous recevrons, Seigneur, durant ce mois, puissent bénir ton peuple, Seigneur. Que nous puissions ne pas baisser les bras, Seigneur. Nous tendons vers la fin de cette année. Et que durant cette fin d'année, durant ce mois de novembre, que nous puissions encore plus être, nous accrocher à toi, Papa, Seigneur. Être plus proche de toi. Venir encore plus dans ta présence, afin que lorsque nous débuterons cette année, si tu nous fais grâce, que nous puissions être prêts à affronter cette nouvelle année, Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Les mauvaises nouvelles, loin de nous, Seigneur. Les imprévus, loin de nous durant ce mois, Seigneur. Nous te disons merci car tu nous as fait grâce de pouvoir débuter ce mois, Seigneur. Merci car tu as permis que nous puissions avoir un culte durant ce mois de novembre. Et nous savons que ce n'est pas le dernier, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie de tout à chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tendons de plus en plus vers la fin. J'aimerais parler d'un petit point. Vous savez, dans le monde, on peut tout trouver. Mais vraiment tout. Vraiment tout, tout, tout. Et nous pensons des fois que parfois, à l'église, il n'y a pas ce que nous peut trouver dans le monde. Lorsque je dis ça, je peux parler par exemple de personnes qui savent conseiller, des personnes qui sont à l'écoute, ou même des personnes qui savent faire certains travaux manuels. Nous savons que premièrement, toute chose, elle peut venir de Dieu. C'est des dons aussi que des personnes ont. Il peut y avoir des personnes qui savent coiffer, des personnes qui savent, qui sont forts dans l'informatique,
des personnes qui peuvent se connaître dans certains domaines de la vie. Ne nous obstinons pas à chercher ça dans le monde. Vous savez, même dans l'église ici, on peut trouver plein de choses, mais personne ne le sait. On peut avoir, par exemple, Natacha qui fait des super gâteaux pour n'importe quel événement. Par exemple, on a eu l'exemple quand nous avons eu à célébrer l'anniversaire de mariage de Maman Gidèle ainsi que du pasteur Désiré. Le gâteau que nous avons vu, c'est Natacha qui l'a fait. Nous avons il y a des bons coiffeurs. Moi, par exemple, je sais quand je suis arrivé ici, ma présentation, j'ai été présenté comme coiffeur. Il y a des bons coiffeurs. Si tu veux un salon, je travaille en salon. Si tu veux du à domicile, il y a Valentin qui coiffe. Quoi d'autre encore? Des personnes qui, peut-être dans le métier média, qui commencent à s'y connaître un peu plus. Il y a Mounira. Des personnes qui, par exemple, tu cherches une personne qui fait des super bons beignets. Il y a Maman Odile. Moi, je sais que les beignets de Maman Odile, ça me met dans la joie quand je les mange. Il y a Maman Odile. Tu veux une personne qui, à qui tu veux te confier, parler. Il y a le pasteur Désiré, il a étudié la psychologie. Personne ne le sait peut-être, mais il a étudié la psychologie. Mais ça se peut, toi, tu penses qu'il ne te connaît pas, mais il t'a déjà observé depuis déjà. Depuis déjà, il t'a déjà observé. Tu cherches des personnes qui savent, qui peuvent jouer le rôle de nounou ou autre. Il y a Maman Emilienne. Est-ce que tu es obstiné à chercher dans le monde? Est-ce que tu t'es dit, je vais chercher d'abord là où Dieu m'a placé en fait? Dans la maison de Dieu, est-ce qu'il y a? Moi, par exemple, je sais quand j'ai souscrit mon contrat à EDF, je me suis tourné vers Maman. Je lui ai dit, Maman, j'ai fait ça comme contrat. Est-ce qu'il est bon? Elle m'a dit, enlève ça, ça va te servir à rien. Je l'ai fait. Tu cherches, par exemple, je sais pas moi, t'as un événement, t'as pas de service traiteur. Il y a Maman Roquia qui peut le faire. Il y a Maman Roselyne qui peut le faire. Moi, j'ai été dans une optique où, là où Dieu m'a mis, chaque chose dont j'ai besoin, je vais demander à mes pasteurs. Et je sais qu'à travers eux, Dieu va me donner une solution en fait. Par eux, Dieu me donnera une solution. Je pouvais demander tout et rien. Même si c'était non, au moins j'ai fait ma demande. Si c'était possible, moi peut-être je pensais que c'était impossible, mais ça se faisait. Par exemple, mon permis, peut-être l'un de mes plus grands témoignages. Le jour de l'examen, peut-être, j'ai passé mon permis, jusqu'à l'examen, j'avais donné 0 euro. 0 euro. C'était une promesse que ma sœur, je m'avais dit, ton permis, je vais te le payer. Je vais te le payer. Ok, il a promis. Moi, je m'en dis à Dieu, il a promis. Touche son cœur qu'il accomplisse sa promesse. J'ai passé mon permis, 0 euro. Même quand, le jour de l'examen, au moment de monter dans la voiture, tout le pantalon arrière se déchire. Un pantalon que j'ai l'habitude de porter. Hein. Mais comme bah, ce jour-là, tout le pantalon arrière il s'est déchiré. Je me suis dit, non, ça c'est faux. Comme on dit chez nous, voilà, ils ont faux cop. Faux cop, je vais quand même passer le permis, je vais l'avoir. C'est passé. Et le pasteur Serge a payé. Et un jour comme ça, le pasteur Désiré m'appelle. Il me dit, bon, quand tu vas aller chercher ton A, parce que quand tu as ton permis, on te donne le permis provisoire et on te donne le A. Quand tu vas aller chercher ton A, appelle-moi et je vais t'accompagner. Ok. Ce jour-là arrive, on y va. Et il vient tout ça et tout. Et devant la dame, je vois, il sort une enveloppe. Je dis, mais qu'est-ce qu'il s'apprête à faire, ce monsieur-là? Et moi, j'avais déjà parlé d'un échéancier, etc. Voilà, etc. Eh bien, le pasteur Serge a payé la moitié et le pasteur Désiré a payé la moitié. Et je me suis dit, ah ouais. Moi, dans ma tête, je commençais déjà à faire des calculs. Hein. Je vais travailler comme ceci, je vais faire comme cela, je vais demander un tel, tout ça et tout. Mais Dieu a touché le cœur de certaines de ces personnes-là pour que justement, je n'ai pas à chercher à l'extérieur de la maison, en fait. Que je n'ai pas à me retrouver à demander aux gens à mendier, tout ça et tout. Parce que vous savez, des fois, quand vous vous mettez à mendier et que vous êtes à l'église, les gens vont dire, mais c'est pas toi qui prie, qui va à l'église, et là maintenant tu commences à demander. Maintenant, quand tu vas à l'église, ça sert à quoi? C'est pour quoi faire que tu y vas?
Vous savez, ça sert à rien de faire des calculs, laissons entre les mains de Dieu et vous verrez, Dieu lui-même va se charger soit de toucher les personnes ou lui-même. Vous savez, quand Dieu se lève pour ta situation, qui va dire non? Qui va dire A ou B ou quoi que ce soit en fait? Dieu il a parlé, c'est amen et point barre. C'est terminé comme Dieu a dit, tel que ça sera en fait. C'est pour nous dire que n'allons pas chercher à l'extérieur ce que nous pouvons avoir ici dans notre maison. C'est notre maison en fait. Amen. Levons-nous, nous allons prier pour la fin de notre culte. Tu vas élever ta voix. Déjà dire merci à Dieu pour ce culte, pour ce message. Et que ce message puisse rester gravé dans notre cœur et que nous puissions être aptes à le mettre en pratique. Que Dieu nous aide à le mettre en pratique. De notre propre force, c'est sûr qu'on n'arrivera pas. On débutera, mais arriver à le mettre en pratique pour toujours, impossible si ce n'est pas avec Dieu. Prions. Seigneur Papa, nous venons te dire merci pour ce culte. Merci Papa, car tu as permis que ce culte se passe et que ce culte aussi se termine, Seigneur. Nous arrivons à la fin, Seigneur, où nous voulons retourner dans nos demeures, Papa. Seigneur, que notre chemin de retour se passe entre tes mains. Que ces chemins que nous allons emprunter, Seigneur, toi, Seigneur, puisse être au contrôle, nous protéger tout un chacun, Seigneur. Papa, nous te disons aussi merci pour ce message. Que ce message puisse être gravé dans nos cœurs, Seigneur. Que le cœur d'un chacun puisse être gravé de cette parole que nous avons reçue, Seigneur. Et que nous puissions être aptes à la mettre en pratique, Seigneur. Que nous puissions la mettre en pratique avec l'aide de ton Esprit Saint. Que nous ne puissions pas nous entêter, Seigneur, à aller de nos propres forces. Acceptons, Seigneur, ton aide, Papa, Seigneur. Et que ton Esprit puisse nous y conduire, Seigneur. Et nous savons, en mettant en pratique ta parole, nous arriverons vers la perfection qui est toi, Seigneur. Papa Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie d'un chacun. Merci pour la vie de mon frère, de ma sœur. Merci pour la vie de chaque personne qui nous a suivis via ce direct et qui nous suivra en retour, Seigneur. Et que ce message, Seigneur, qui a été donné et qui a été pris en compte, Seigneur, par ce direct et qui sera rediffusé, que ce message puisse avoir encore le même impact qu'il a eu aujourd'hui. Et que lorsque nous allons écouter et réécouter encore, Seigneur, et que nous puissions encore recevoir au-delà, Seigneur, de nos attentes, nous ne puissions pas manquer de nous ressourcer auprès de toi, Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gardons les yeux fermés et écoutons la prière du pasteur Désiré. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour chacun de nous ce soir. Merci d'avoir ramené notre Dieu dans ta présence pour nous parler. Merci pour cette parole, notre Dieu, qui restera gravée en nous, qui nous accompagnera pour que nous puissions encore à monter d'un cran, faire un nouveau pas avec toi. Merci pour ton assemblée. Merci pour tous tes enfants, que ce soit ceux qui sont en présentiel ou sur Internet. Merci pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu se déplacer, notre Dieu, pour venir, notre Dieu, dans ta présence, parce que tu vas aussi les garder, les protéger. Tu connais, Père éternel, l'objet de leur empêchement. Nous prions, notre Dieu, pour que tu nous ramènes chacun chez nous. Laisse que, Père éternel, le chemin que nous allons emprunter, notre Dieu, soit balisé par le sang de Christ et que nous puissions rouler sur ce sang comme un tapis jusqu'à ce que nous allons arriver chez nous. Nous voulons, Père éternel, te recommander cette nuit que tu puisses nous parler pendant notre sommeil et fais en sorte, notre Dieu, qu'à notre réveil demain matin, que nous puissions comprendre et reconnaître, notre Dieu, tout ce que tu nous auras dit. Papa, nous prions, notre Dieu, pour la prière de demain matin, que tu puisses réveiller ton peuple, notre Dieu, pour qu'il puisse te glorifier, parce que tu es celui qui le veut ainsi. Bénis chacun de nous et ouvre des portes, notre Dieu, des bénédictions dans la vie de chacun. Nous croyons que nous rentrons chez nous, Père éternel, avec, Père éternel, des colis de bénédictions. Et laisse que ces colis de bénédictions, notre Dieu, soient aussi pour nos membres de famille et pour notre entourage. Sois notre Dieu à jamais et ramène-nous encore ce dimanche pour pouvoir te glorifier parce que tu es le seul qui est capable. Tout ce que l'ennemi a contre nous, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que personne ne réussisse à nous mettre hors de nous
ou à créer une atmosphère qui n'a pas de gloire dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que toi, tu puisses régner à jamais. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, tous ceux qui nous ont suivis via Internet. N'oublions pas notre programme de 60 matins. Il nous reste encore 45 matins. Donc, si toi, tu n'as pas eu l'occasion de commencer, rejoins-nous. Et nous y allons jusqu'au 23 décembre. Soyez bénis et que Dieu nous garde encore. Amen. Amen. Bonne soirée.